C'est Sangotrey, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo Lego Star Wars. Et comme vous pouvez le voir à cette petite motojet, aujourd'hui nous allons parler d'une base clone. Et est-ce que vous en connaissez plusieurs des bases clones sur lesquelles nous sommes en train de travailler en ce moment? Eh bien, moi non, je n'en connais pas 48. Aujourd'hui, on se retrouve sur le petit Maroc de Felucia. Ça fait un petit moment que j'étais pas allé dessus. Alors je vais vous présenter les avancées. J'ai fait 2-3 modifications. Attention. Voici le nouveau mock. Ok, je reconnais avoir un petit peu abusé. On va faire une petite mise au point. Voilà donc le nouveau mock. Je le trouve vraiment super, super, super beau. Là, je veux pas me jeter des fleurs, mais je le trouve vraiment stylé. Je vais vous en faire la présentation très, très, très prochainement. Enfin, là, tout de suite dans cette vidéo. Mais d'abord, donc voilà, pour vous dire que j'ai complètement rasé l'ancien mock qui ne me plaisait pas. Et je l'ai agrandi. J'ai rajouté une petite plaque qu'on voit. On voit le début ici. Il faudra que je le camoufle. Mais voilà, j'ai rajouté une plaque et j'ai vraiment tout changé. Du coup, j'étais très impatient de tourner cette vidéo aujourd'hui. Je vais aller faire un petit tour à Lego Store. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour continuer ce mock. Voilà. Donc c'est parti, on va y aller. On va commencer donc par le champ de bataille. Alors vous avez vu que j'ai disposé le mock donc au sol, hein, bien évidemment je fais toujours mes vidéos au sol. Mais sur la longueur, normalement je le tourne vers moi, sauf que là il est vraiment trop long et j'ai pas la place derrière moi. Donc je vous le montre comme ceci. Allez, c'est parti, on y va. Donc vous avez, donc là c'est l'extrémité du mock, hein, l'extrémité avant. Vous avez toute une forêt de plantes hautes, donc sur une terre verte, vous voyez, verte un peu grasse. Donc comme si c'était vraiment une région, enfin un endroit qui n'a pas été trop touché, alors que là on a plus de la terre, donc c'est un peu, on a rasé l'herbe, enfin voilà. Donc avec des petites touches de vert clair et de violet pour rajouter un petit peu de couleur. Là il y a une petite pièce qui est tombée, hop, je ne l'avais pas vue, je vais l'enlever. Voilà. Bon là j'ai mis un petit soldat en fait pour vous montrer la hauteur des plantes. Vous voyez qu'elles sont vraiment super grandes. Donc hop, j'espère que j'ai pas mis le doigt devant le micro. Donc voilà, y en a une bonne vingtaine de plantes hautes comme ça. Je les trouve plutôt stylées. Voilà, donc cette partie verte un peu foncée. Là, ça s'éclaircit un peu puisqu'on se rapproche de la rivière. Donc j'ai fait une rivière un peu bizarre. Je la modifierai peut-être, mais je l'aime bien. Donc avec tous ces petits roseaux, et je trouve ça super sympa, super mignon, des petits roseaux comme ça qui encerclent la rivière et ça lui donne un aspect un peu protégé, un peu naturel. Là, la petite cascade, et vous voyez, il y a vraiment beaucoup de verdure, beaucoup de végétation, des plantes. Donc ça, ce sont des bambous qui ont poussé autour et vraiment, je trouve ça stylé. J'ai essayé les diamants et c'est vrai que c'est plutôt joli de les mettre pour faire une rivière dynamique. Donc c'est une rivière dynamique, hein, vous voyez, il y a des pièces d'eau. Donc voilà. Donc le petit chemin en herbe, en vert un peu plus clair, avec des petites touches d'orange, quelques bambous qui se sont, enfin quelques roseaux qui se sont un peu égarés, des petits bambous, voilà, des petites herbes. Et on revient, on va se recentrer vers le milieu. Donc là, vous avez toujours sur la partie surélevée, parce que comme vous pouvez le voir, c'est surélevé par rapport à celle-là. Donc là, on est sur des blocs pleins, alors que là, on est sur des juste une couche. Enfin, c'est une plate. Donc voilà. Donc là, on a un premier monticule de terre avec encore des petits bambous pour la végétation. Donc voilà. Et là, on en a un deuxième. Donc ça fait un peu le passage, si vous voulez. Vous êtes obligé de passer entre ces deux monticules. Et moi j'aime pas mal. Voilà, et ensuite on descend d'un étage. Donc là vous avez un petit rocher en herbe verte. Donc j'aimais pas trop mal cette idée. Au début je me suis dit je vais faire des rochers en gris. Mais je me suis dit on est sur Felucia et sur Felucia il n'y a vraiment pas de pierre. C'est presque comme si la pierre avait pris la couleur de l'herbe. Donc j'ai acheté ça au Lego Store, heureusement il y en avait. Donc voilà. Et donc ça m'a permis de faire ce petit rocher en herbe, avec encore un petit bambou ici. Là, vous avez une sorte de petit chemin qui s'arrête, avec encore une fois un petit monticule ici qui est super sympa. Vraiment, je me jette pas les fleurs, mais je trouve que ce que j'ai fait rend vraiment bien.
Il y a vraiment un mélange de couleurs, ça donne, ça voilà, ça fait beau, vraiment, enfin, ça fait joyeux en tout cas. Et c'est vrai que Felicia est une plaine vraiment très colorée. Donc là encore un petit rocher, hein. Enfin c'est pas des petits rochers, mais voilà, ça fait des petits reliefs sur le moc. Donc vous avez ici le rocher de la cascade. Et enfin un autre rocher ici. Pareil, des petits monticules. Alors qu'est-ce que j'utilise pour faire ces rochers? Eh bien j'utilise donc ces pièces que j'ai achetées. Donc des petites pièces comme ça, qui permettent d'accrocher les petits. Alors ça c'est des sloops, si je ne dis pas de bêtises. L'ami SW Legotim me reprendra hein, si j'ai faux, bien évidemment. Mais voilà, donc qui me permettent d'accrocher les pièces. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté ensuite, bien évidemment. J'y suis allé ce matin. Donc pour continuer, là vous voyez que bah, c'est des plaques 2x4 brown, dark brown, donc qui recouvrent tout. Elles sont pas encore très bien appuyées, j'appuierai plus la prochaine fois. Mais voilà, avec ce petit chemin de terre. Et donc on arrive sur la base. Alors, donc pour l'instant il n'y a que le premier étage. Donc là c'est l'entrée avec une sorte de tapis. C'est pas un tapis rouge, mais un tapis violet. Voilà. Donc un peu imaginez du gazon tondu. Mais je trouvais ça joli, très joli. Donc j'ai gardé ça. Une entrée sans porte, une entrée végétale. Donc en fait c'est un mock secret. Enfin c'est une base secrète, cachée. Voilà. Donc là vous pénétrez en fait dans la pièce donc du dessous. Je pense faire un étage, très certainement. Parce qu'il me reste encore beaucoup de pièces. Donc vous avez en fait ici l'armurerie. Avec ici des accroches pour fusil. Là vous avez. Donc j'ai fait ça. C'est soit pour coucher un soldat. Par exemple, vraiment, si vous voyez, il est blessé et il faut lui apporter les premiers soins. Vous dégagez cette table. Donc c'est une table laser. Et donc vous pouvez l'opérer là-dessus. Soit vous pouvez poser des casques, on verra. Donc ici. Il manque des caisses, mais parce que je les utilise pour un autre mock. Mais je les rapporterai dès que j'aurai fini. Et ici, vous avez des barils, des caisses, voilà, qui contiennent des armes. Donc tout a été recouvert hein, de verre. Donc je trouve que ça fait un petit plancher pas mal, c'est rigolo. Et à l'extérieur, pour l'instant, on n'a rien. Mais ici, comme vous le voyez, il y a une petite porte. Et donc ça insinue qu'on sortira. Ici, qui ici, il y aura soit le hangar, soit une autre salle. On verra si je mets le hangar en haut comme dans l'ancien mock, ou si je mets le hangar ici. Voilà, donc je pense vous avoir vraiment un peu tout présenté sur ce mock. Je vous redonne un petit aperçu. Hop là, j'ai fait tomber quelque chose. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté très rapidement. Donc, j'ai acheté ça. Il m'en fallait pas mal pour un autre mock. J'ai acheté donc des 1x3 comme ceci. Et des 1x1 comme ceci, verte claire bien évidemment, pour aller avec le mock. J'ai acheté beaucoup beaucoup de bambou que j'ai mis dans des. Voilà, c'est un truc de semelle. Mais je réutilise tout, il faut tout conserver. Donc voilà, là il y en a encore une bonne cinquantaine. Et avec tout ce qui est sur le mock, hein, il y en a vraiment beaucoup. Là j'ai mon sachet de pièces vertes. Comme ceci, j'en ai encore racheté. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai racheté. Il y a encore 500 pièces là-dedans. Alors, j'ai pas acheté ça, mais je viens de le construire. Hop. Mais voilà. Alors en fait, bon, ces pièces-là, je les avais, mais du coup, je ne l'ai pas acheté, mais c'était rigolo. Je savais pas. Enfin, je pensais, mais j'ai fait une petite cage, mais voilà. Mais ça, c'est vraiment très important. Donc, ça, mais je vous l'ai déjà montré. J'ai acheté donc beaucoup de pièces comme ceci. Voilà. Il doit en rester encore une petite quarantaine. Ça, j'en ai plus beaucoup. Alors, ça, du coup, ça n'a rien à faire là. Hop. Mais voilà, ça, j'en avais acheté beaucoup. Donc, en fait, elles sont toutes parties ici, là. Et dans les rochers qui sont là, elles sont cachées. Mais il y en a beaucoup. Mais j'en avais pas acheté tant que ça. Et là, donc, cette pièce-là, c'est ce qui me reste. Mais j'ai acheté quelques petites slides, enfin, plates lisses violettes pour rajouter un peu de couleur. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Sinon, je l'ai peut-être dû le ranger dans mon rangement qui est là. Mais je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. Voilà, en tout cas, j'espère que ce mock vous plaît. Moi, il est vraiment en train de me plaire. Et c'est un des plus beaux mocks que j'ai jamais réalisé sur Felucia, en tout cas. Parce que c'est pas la première fois que je fais un mock sur Felucia. Donc, je trouve très beau, très coloré. Je vais continuer sur le champ de bataille. Et la prochaine fois, bah, la prochaine avancée, on n'aura pas
tout totalement terminé. Mais au moins, il y aura l'étage, peut-être le hangar. Le champ de bataille sera peut-être pas terminé, on verra. Mais ça sera dans la prochaine update, bien évidemment, la semaine prochaine. Donc, soit samedi, soit dimanche. Oui, c'est ça. Sachez que Mocking Review, donc là, j'ai fini de ramasser les copies. Et pour le concours, je vous laisse donc jusqu'à dimanche prochain. Je vous laisse une petite semaine de délai. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas eu totalement le temps. Voilà, je pense notamment à SW Lego Team qui voulait me rendre ça ce week-end, mais qui, faute de temps, bon, je vais laisser une semaine, mais c'était pas le seul. Donc voilà, je vous laisse une semaine de plus. Parlez-en à vos amis, si jamais vous avez des connaissances sur YouTube. N'hésitez pas à partager ce concours, partager la vidéo qui explique les règles. Et puis bah voilà, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. En tout cas, moi, je vous laisse. Je vous fais de très très gros bisous. J'espère que vous allez aimer ce mock. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Et à vous abonner. On est déjà 158 maintenant. Donc ça monte de plus en plus. Merci à vous. Gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.